Bonjour Emmanuel Labat, nous allons faire une visite de notre centre de formation en ligne. Le centre de formation en ligne clubformationquantique.com est un espace privé rattaché au blog public formationquantique.com. Sur le blog, vous pouvez ouvrir le catalogue des formations. Vous y trouverez toutes les formations disponibles à ce jour auxquelles vous pouvez vous inscrire. Les formations sont classées selon leur origine de conception. Tout à la fin du catalogue, vous trouverez aussi la rubrique « Les tests et la certification » que nous avons récemment mis en place. Le premier certificat de validation des connaissances porte sur notre cours « Le stress sucré ». Nous encourageons les personnes qui souhaitent suivre une formation en biofeedback quantique avec nous de faire leur auto-évaluation. Elles sont invitées à se rendre sur l'article du blog et à lire avec attention l'état d'esprit dans lequel nous avons conçu les formations. Nous estimons qu'il y a au moins 4 grands niveaux. À ce jour, il est possible de se former pour être à l'aise dans les 3 premiers niveaux. Ensuite, il est possible de tester ses connaissances. Ce questionnaire comprend 53 questions. Nous ne donnons pas directement les réponses à ce questionnaire. En revanche, nous indiquons à l'apprenant le cours ou le programme éducatif dans lequel il trouvera la réponse. Ainsi, nous présentons aussi un aperçu général de ce que l'on peut trouver dans nos formations. À partir de la page catalogue de formation, l'apprenant va pouvoir se diriger sur la page d'inscription du cours de son choix. Dans le cas présent, il s'inscrit au programme éducatif Le stress sucré. Il peut, s'il souhaite, lire la page de présentation de la formation en cliquant sur un lien. Une fois inscrit, l'apprenant reçoit son identifiant et son mot de passe et peut entrer dans l'espace privé clubformationquantique.com. Il a désormais accès à la présentation complète de tous les modules avec des menus déroulants. Il va se rendre sur l'onglet « Quotidien » et accéder au stress sucré. Le cours est présenté en plusieurs parties théoriques et étapes pour ce qui est de la pratique. Il y a un total de 10 étapes pour conduire l'apprenant à réduire sa consommation de sucre raffiné, voire l'éliminer complètement. Arrêtons-nous quelques instants dans le cours théorique. Dans la partie 2, l'apprenant a accès à des connaissances techniques et scientifiques qui permettent de justifier que les sucres raffinés ne sont pas bons pour l'organisme. Ces connaissances sont transmises sous la forme de textes, de programmes audio ou d'images. Bonjour, Emmanuel Labat du blog formationquantique.com. Bienvenue dans ce programme audio dédié à la biologie quantique. Pour bien comprendre pourquoi nous pouvons expliquer grâce à la biologie quantique, certains phénomènes de nutrition par exemple, il est utile de plonger dans le monde de la physique quantique et de ses concepts qui commencent, petit à petit, à être connus du grand public. Dans la partie 3, nous abordons les dangers du sucre sous l'angle médical. Les propos sont illustrés par des informations orales, textes et vidéos. L'apprenant peut aussi commencer son exploration du sucre en accédant à la partie pratique. Dans l'introduction,
il trouvera une présentation sommaire de toutes les étapes qu'il devra parcourir s'il veut éliminer le sucre de sa vie. Il est invité au départ à regarder un documentaire grand public et à répondre à quelques questions afin de se situer par rapport à la problématique générale. S'il a des questions à poser à l'auteur de la formation, l'apprenant peut utiliser l'espace commentaire collectif. À la fin du processus, l'étape numéro 9, l'apprenant prendra le temps de vérifier les progrès qu'il a faits par rapport à ses objectifs de départ. Ensuite, s'il le souhaite, l'apprenant pourra obtenir un certificat. Il suffit de se rendre dans le module certificat. Toute la procédure à suivre y est expliquée. L'apprenant devra s'inscrire pour passer un test QCM en ligne s'il veut que son certificat soit pris en compte dans un cycle d'études auprès de notre organisme. Il devra aussi faire le travail rédactionnel. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de vous rencontrer sur notre plateforme de formation en ligne clubformationquantique.com.